Donc, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Un petit Vivi clip un matin parce que je voulais jaser d'un petit quelque chose qui m'est arrivé un peu ce matin. Là. Bon, il y a un des commons qui a été enlevé. Je trouvais ça un peu dommage parce que. Neckong, je vais dire Neckong, ouais, c'est ça. Je trouvais que son common était quand même très pertinent. Donc, j'ai posté quelque chose avant-hier. Puis, justement, j'ai eu un comment, puis ça m'a amené une réflexion à laquelle je me suis dit, on a quand même moyen de délibérer un petit 5-10 minutes là-dessus. Donc, je me suis dit, on va faire un clip. Sauf une fois, je me suis dit ça, ben, puis je vous ai dit ça, mais là, nous autres, il faut qu'on s'en aille où? On s'en va au disclaimer time, où ce que je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement prodigué dans une vidéo. Not financial advice. Ben oui. Ça, c'est le petit bout où... c'est le petit bout de quoi? C'est le post dont je vous parlais, pas le petit bout, le tweet. My God, hein? Donc, c'est un tweet, tout ce que j'ai posté avant-hier, le Golden Logo, en disant, pour moi, c'est une des pièces qui est le plus sous-évaluée du moment, puis je le pense encore, hein, malgré le fait que maintenant, il est à 100$ aujourd'hui, ok? C'est le dernier des Golden Moments, first of all, c'est comme le premier puis le dernier, c'est cool, puis c'est le dernier, puis en plus, c'est le Disney Logo, genre, c'est comme, fuck yeah, ok? Il y en a 10 000 seulement, il y en a qui ont dit, c'est beaucoup 10 000, ben... Je trouve que c'est quand même pas tant 10 000 dans la mesure où est-ce que penser qu'un jour il va y avoir des burns, il y en a qui vont perdre leur compte, il y en a qui il y en a peut-être, bon, on peut pas parler de bots nécessairement dans ces drops là, mais mettons qu'il y aurait eu 15 bots, ben ça en fait 15 de moins en circulation si exemple leurs collectibles sont pris dans leur compte ou quoi que ce soit, donc ça en fait quand même pas beaucoup là, au nombre de personnes qu'on risque d'avoir qui vont utiliser la réalité augmentée puis le metaverse puis un paquet d'affaires dans le genre. Dans le futur, je pense qu'on n'est pas beaucoup. Par contre, on a Nico qui nous disait, ça a été distribué gratuitement. Okay? Il dit, dès que ça va monter un petit peu, il dit, ça va être vendu, puis il dit, je pense pas que ça va valoir grand-chose. Il dit, c'est un des golden les plus surévalués du moment. Okay? Là, ben moi, je disais, ben c'est un phénomène connu dans le monde des collectionneurs de tout genre depuis des dizaines d'années, ça, le phénomène comme ça, où ce que les gens, ils pensent que c'est surévalué, puis finalement, les prix descendent, puis à un moment donné, il y en a plein qui les achètent comme tout, puis là, ben le monde sont comme, oh shit, finalement, ça valait cher. Puis, on a eu cet exemple-là, j'en donne un autre dans les commentaires, vous voyez juste ici, mais j'en ai un précis à mes yeux, c'est, on a fait la même chose avec le Todd de Batman. Ou ce que non, ça vaudra probablement pas cher. Puis là, à un moment donné, il y en a un ou deux qui se sont mis à dire, ouais, mais non, à 100$, c'est donné, ça va valoir 10 fois ça. On est en beer market qui vaut 1200$. Donc, hein, y avait-tu raison, y avait pas tort. Je vais donner un autre exemple con qui m'est arrivé personnellement, une histoire personnelle. Ben, quoi que le Todd aussi, ça m'est arrivé. J'ai dit, oh non, j'ai pas assez d'argent pour acheter un Todd, j'achète pas ça, 100$, c'est trop. C'est de cave. Mais après avoir vécu ça, j'ai vécu Powerpuff Girl. La bleue, Bobo, est pas très belle pis tout, mais j'étais comme, ah, 100$. S'il y a pas beaucoup de mine de tout ça, je peux en acheter 10 en ce moment, je le fais dessus, tu sais. J'aurais dû le faire, parce qu'elle a monté à 5000$ la Bobo. J'aurais fait 50000$ avec mon investissement de 1000$. Donc, la preuve est dans le pudding, hein. Vous allez me dire, Bobo vaut peut-être pas des millions aujourd'hui, mais elle vaut quand même pas mal plus cher que le 100$ si je me suis mis. Puis, j'avais continué en disant, c'est un phénomène connu dans le monde depuis les Disney. Regarde le Marvel Comic No. 1. Donc, quand je dis Marvel Comic No. 1, on pourrait aller sur My NFT Tracker. Puis, pour peut-être ceux qui savent pas duquel je parle, Marvel No. 1. Ah, oh, non, ouais, il me l'a pas écrit. Marvel No. 1. Donc, il y a plusieurs No. 1. Je suis en train de me faire avoir. Ça va être le bon, regardez celui-là ici. Donc, ça, là, pour moi, c'est un des bons exemples dans la mesure où ce que. Ça valait 10 cents. Les gens devaient acheter ça, puis quasiment le mettre dans l'armoire. Puis quand ça faisait longtemps qu'il a traîné, ils ont crissé ça au vidange. Aujourd'hui, ça vaut une beurrée. Ok? Ça vaut une hostie de beurrée. Un PSC Super Brain Graded de ça, là. Oh my fucking god. Puis c'est ce que j'avais donné comme prétexte ici. Ok? Je regarde Marvel Comic No. 1. Sa réponse a été quand même. Puis là, c'est drôle parce que je la vois pas ici. On dirait qu'elle a été. Directement effacé, je sais pas pourquoi. Un petit peu là. Ah, tu continues à comparer des produits payants avec des gratuits. Ok, ton choix. En voulant dire, ouais, mais il était gratis le Golden Logo de Disney. T'es cave.
L'autre, il fallait que le monde l'achète. Je suis comme, c'est vrai, il était gratis avec l'achat. Il dit, les gens jetaient après lecture. Tu veux dire qu'il le vendait à 3 cents au lieu de 6 initiaux. Il dit, tu collectionnes depuis 10 ans. Tu collectionnes quoi, toi, depuis 10 ans? Je suis comme, ok, c'est parce que ça fait 20 ans que je collectionne. Mais j'ai juste acheté, vendu, fait voler mes collections. Ça fait longtemps que je collectionne. Mais peu importe, je pense pas que c'était vraiment une critique. C'est qu'il se demandait c'était quoi mon background pour tout ça. Puis ma réponse a été assez simple là, par rapport à ça. C'est que. Puis il répondait à ça. C'est que. Tu peux comparer ça avec des cartes de sport qui ont été données dans des cartes de céréales il y a des années genre 70, 80, début 80. Ok, il y a certaines de ces cartes-là. Puis aujourd'hui, si t'en as, ça vend pour plusieurs centaines de dollars. C'était donné ta boîte de céréales, man. Gratis. Aujourd'hui, si t'es là. Ka-ching. Money. Je pense que la comparaison est la même. Puis c'est là pourquoi je pense que le Golden Logo en ce moment, il y en a qui ont dit qu'il y en avait 10 000. Pensez qu'il y en avait combien des cartes gratuites distribuées dans une boîte de céréales? Il devait en avoir un méchant paquet. Il y a même une carte d'un sportif de baseball, c'est Gary Vaynerchuk qui a parlé de cette carte-là. Là. C'est pas des fakes ce que je vous dis, il y a des vidéos là-dessus. Je chercherai pas, mais je me rappelle l'avoir écouté. Où ce que lui, il dit, il y a une carte de tel joueur qui avait été mise dans des boîtes de céréales faites par un gars nowhere dans un village. Il avait pas les droits pour faire ces cartes-là, mais il les a quand même faites et il les avait quand même données dans ces boîtes de céréales. Puis, aujourd'hui, ces cartes-là, malgré le fait que ce ne sont pas des cartes officielles, elles valent très cher. OK? Donc, tout ça pourrait même nous ramener à la blockchain, à savoir, regardez, c'était pas officiel, donc c'était pas sur une blockchain connue, puis pourtant, ça vaut encore cher, donc même si, puis cette compagnie-là de céréales, d'un gars du fin fond de la cambousse, ça existe plus. Donc même si la blockchain n'existe plus, le NFT, la carte, existait encore, donc si t'es capable de le transporter sur un autre marché, un autre blockchain, la carte vaut quand même quelque chose, puis c'est la même chose pour les NFT, comme notre Golden Logo, si vous voulez mon avis. Vous allez dire 10 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans la mesure où ce que c'est pas des pièces physiques, c'est digital. Il y a moins de probabilité d'y perdre, mais il y en a quand même. Surtout si on ramasse avec de l'interopérabilité, ce que je ne vote pas présentement pour Vivi et Comey. Imaginez tous les Golden Logos qui vont se ramasser dans des MetaMask, qui vont se faire scammer, puis qui vont se faire flaguer, parce que là, le MetaMask qui va avoir, la place où ce que le MetaMask va avoir été, ben là, ce MetaMask-là va être flagué, fait qu'il n'y a pas personne qui va faire des transactions avec ce MetaMask-là, puis les Golden Logos vont être jugés comme étant burn, ou je sais pas ce qu'on prenait, il va avoir vraiment. Il va avoir des flags sur ces Golden Logos-là. Il n'y a personne qui va vouloir les acheter parce que ça va avoir été volé ou des choses comme ça. Donc, on se retrouve vraiment où, voulez mon avis, on va avoir vraiment la même chose au bout de la ligne. Donc là, on est early, là, on est dans les années 1967-70 des sport cards. Puis là, j'ai pas fait une grande pause pour rien. Là. Pensez-y, là. Ça veut dire que toutes les affaires que vous ramassez, que vous vous dites, waouh, c'est cool, waouh, belle carte, waouh, un Wayne Gretzky, je vais le mettre sur le side, là, peut-être qu'un jour ça va valoir 20$, tu sais, là, il en vaut 10, tu sais. Non, attendez, là, vous attendez 30-40 ans, ça peut valoir pas mal plus que 10$, là, puis 20$. C'est sûr, vous allez me dire, 30-40 ans, dormir sur un Wayne Gretzky, c'est une job, façon de parler, mais il y a quand même ces possibilités-là, sinon il y a les possibilités de flip à fond, qu'elles sont, là. Golden Logo peut monter très vite à 1000$ en dans 3 mois pour descendre à 100$. C'est du beau profit. Donc, ça soit flipping, accumulating. L'idée, c'est de choisir les bons prix, les choses qui peuvent être sous-évaluées. Moi, je pense que sur le long terme, c'est très sous-évalué. Surtout si vous avez une stratégie avec ces pièces-là. Oh my God, vous en achetez. Il y en a souvent qui vont dire ça, hein? Vous en achetez 3, dans le fond. OK? La stratégie est assez simple. Vous en achetez 3. Vous attendez. Exemple, les 300$. Vous attendez que le prix monte à 300. Vous en vendez un, donc vous en avez deux gratuits. Vous attendez de vendre le deuxième que vous avez à un prix qui vous plaît. Ce qui veut dire que ça peut être 1000, 2000, 3000, ce que vous voulez. Puis ça vous en laisse encore un petit dernier pour faire ce que vous voulez. Donc ça, là, c'est une stratégie de simple et de base. Let's go. Je vous laisse juste vos pièces comme il faut. Personnellement, notre financial advice, je pense que le Golden Logo de Disney, c'en est un bon. Je pense aussi que la lampe
de Disney peut en être un bon. Puis la raison est assez simple, ça reste du Aladdin. Y a pas, je connais pas grand monde qui ont fait voir Aladdin, c'est un film de merde. Non, le premier Aladdin était cool. Jasmine était cool. Genre, ils ont donné quand même tout était cool. J'ai bien aimé. Moi, ce comic-là, donc, le potentiel, je le vois là, autant dans le set que dans les Golden Logo, que dans le Disney style, le fait que c'est un Disney D logo. C'est le dernier Golden Moment. Oh my god. Genre, let's go. Pour moi, c'est super bullish. Donc, c'était mon point là-dessus. Je pense que c'est undervalued. Je pense qu'il y a potentiel que ça vale pas mal plus cher. Puis je pense que même si ça a été une pièce qui a été donnée, puis que le point que Nikon avait amené, que les pièces gratuites sur Vivi valent pas beaucoup cher après un certain temps, est excellent. Mais je pense que ça va être une gaffe pour le futur. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires, la Vivi fam. So, let's go. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yeah. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.